Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez pour le mieux. Allez, on se retrouve tout de suite pour cette mission secondaire, à savoir avec le Patriot, terrain de jeu du Patriot. C'est un véhicule que j'adore, comme vous le savez, il a une très bonne adhérence, il vous permet de monter les collines en toute aisance, donc c'est vraiment un véhicule très confortable. Et donc, on va faire cette première mission de ce type, il y en a 4 au total. Vous en souvenez en plus, pour ceux qui étaient déjà à l'époque, en 2016, il me semble, je vous avais montré toutes ces missions par vidéo, une par vidéo quoi. Et donc j'en avais fait 4, et bien là ce sera rebelote pour l'occasion. Sauf que le format sera bien différent par rapport à la dernière fois. Allez. On commence avec cette première sphère. Dès que vous en récupérez une, le temps commence. Bon, bien sûr, vous n'avez pas tout votre temps, mais ça va, c'est quand même aisé pour faire ces missions-là rapidement et tout. Hein. C'est pas la peine d'aller trop vite non plus. Hein. Parce que franchement, en procédant comme je le fais là... Vous allez vous retrouver avec une minute à peu près, que vous aurez rien que pour vous et vers la fin quoi. Donc du coup vous aurez largement le temps pour faire cette mission. C'est la plus facile de toutes, je pense bien. Ah non, la deuxième plus simple. Il y en a une autre en Thurston Island qui est encore plus facile. C'est avec les 20 sphères à récupérer dans le parking là, à Newport. Ça va tellement vite que c'est la plus simple. Mais je dirais après c'est celle-là. Alors la caméra à hauteur, vu comme ça quoi, ça peut vous aider hein. Ah ouais. Pour bien toucher les sphères. Ça dit pas pour lesquelles, mais notamment celles qu'on a vues précédemment. Enfin, après il faut remonter. Il y en a une ici. Et là on est dans les parages de la demeure de Salvatore Lione. Salvatore il va se demander qu'est-ce qu'on fout là hein. Surtout que je ne le connais pas encore dans la progression. Parce que là, je suis encore au début du jeu. Hein. Par contre, je connais quand même son fils. Joey. Voilà. Allez hop. Non, non, non. Il y a celle-là à récupérer avant. Au bout, là. Vous imaginez le temps qui me reste? Voilà, 2 minutes. Ah, je vous l'avais dit, hein, tout à l'heure. Que vous aurez largement le temps de quoi faire. Hein. Oh, bah, il faut pas s'en faire. Faites attention quand même, c'est ici, avec les petites bordures, là, qu'on ne voit pas trop. Votre véhicule peut se retourner des fois. C'est rare, mais c'est possible. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir vers la plage. Je vais repasser par là. Pour prendre celle-ci. Et ensuite, je vais devoir remonter en fait hein, pour récupérer les dernières sphères. Les 2 dernières. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. L'avant-dernière, ça va. La dernière, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est... C'est quand même aisé pour la récupérer. Donc clairement c'est une mission que oh, je la fais les doigts dans le nez. Hein. Façon de parler. Hein. Oh, je suis tellement habitué aussi, il faut dire. Voilà, là elle est au bout. Alors là faites gaffe, hein, n'accélérez pas trop. Reculez le plus possible. Carré sur PlayStation. Hop. Comme ça moi, vous ne tomberez pas la flotte. Auquel cas, bah, ça serait fini. Ah ouais, et puis si vous descendez de votre véhicule, c'est terminé aussi. Hein. Caméra à hauteur. Hop, surtout pour celle-là, je m'aide un petit peu. Vous avez vu où elle est? Voilà. C'est nickel. Eh, c'est très bien ça. Vous avez vu mon véhicule, je l'ai conservé malgré tout. Eh ben, c'est une belle fin, n'est-ce pas? Allez, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut, portez-vous bien. Ah ouais, alors pour la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une petite anecdote. Mais je vais pas la commenter, ça devrait vous faire sourire. Je n'en dis pas plus. Salut !